Au loup de Stephanie Blake. Il était une fois un petit lapin qui ne faisait que ce qu'il voulait. Lorsque sa maman lui disait « Range ta chambre, mon petit lapin !» il criait « Au loup !» même s'il n'y avait pas de loup. Et comme sa maman avait peur du loup, le petit lapin faisait ce qu'il voulait. Lorsque sa maîtresse lui disait « Récite-moi ton alphabet, mon petit lapin !» il criait « Au loup !» Et comme tout le monde avait peur du loup, le petit lapin faisait ce qu'il voulait. Lorsque son papa lui disait « Fais pipi dans ton pot, mon petit lapin !» il criait « Au loup !» Alors son papa partait en courant et le petit lapin faisait ce qu'il voulait. Un jour que le petit lapin faisait pipi où il voulait, une grosse voix grogna derrière lui. « Tu te crois où là, mon petit lapin ?» hurla alors le petit lapin. Maman, au loup! Hurla le petit lapin. Alors sa maman lui répondit, désolé, ça ne prend plus mon petit lapin. Au loup! Criait de toutes ses forces le pauvre petit lapin. Mais personne ne le crut. Alors, le loup attrapa le petit lapin et dit « Dis-moi, mon pote, tu connais la peur du loup ?» Mais le petit lapin hurla encore plus fort « Papa, 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 au loup !» « Plaît-il ? » demanda le papa loup. « Oh, papa, c'est toi ! Ne refais plus jamais ça ! C'est horrible, terrible, affreux, abominable, effroyable, la peur du loup !» Je ne crierai plus jamais au loup. Mais le lendemain matin, lorsque sa maman ouvrit le placard à provisions, le petit lapin hurla « Aouh !»